Bien, allez, on est parti pour un décollage. Donc P51, en attendant que Damien revienne. C'est tenté qu'il revienne parce qu'il s'est déconnecté comme ça un peu violemment, je sais pas pourquoi. Alors j'ai décollé, pas cette fois, la logique est respectée. Ah, il va me faire redémarrer toute merdier là. Ah non. Bon, j'avais choisi ce mode là. Alors, marche au ventre. La puissance, mais pas trop. La vitesse augmente. On rend la main. On compense. On est à 100 nœuds. On tire un petit peu. Et il décolle tout seul. Voilà. On rentre le train. La commande est active. T'es de retour ? Ouais, je t'entends, je suis en enregistrement là. Je fais un petit essai de. Ouais, alors peut-être qu'effectivement là faut que je mette un peu les gaz. J'ai lancé l'enregistrement, je mettrai en ligne après. Histoire de. Je me suis déjà crashé une fois, hein. C'est bon, je recommence. Je sais pas si il a chauffé un peu, qui est après. Ouais. Carrément ma carte wifi qui a arrêté de fonctionner. D'accord, effectivement, ouais, j'ai d'abord entendu le Discord qui se déconnectait. Enfin, je pensais que c'était quelqu'un qui entrait, mais en fait c'est toi qui es sorti, ou un truc du genre. Et, et peu de temps après, boum, time out. Ah bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Ouais, je sais pas, je t'avoue, parce que. Après, c'est comme si il ramait, mais sauf que t'avais rien d'ouvert en fait. T'avais aucune raison que. D'accord. Du coup, j'ai reboot. Effectivement. Puis on verra. Ouais. Mais ça m'étonne. Bon, ben, je vais essayer de me poser. Tout à l'heure, j'ai réussi, donc là. On verra si c'est possible. Ah ouais, du premier coup. J'avais même pas le trackier, je crois en plus. Tu vois, je te dis, c'est comme le vélo. Oui. Ça, t'oublie pas. Ah bah oui. Après, c'est du pilotage aussi, donc. Normalement, j'ai refait le serveur. Ouais. Bon, alors attends. Mais tu fais ce que tu as à faire. Ouais. Un cran de volet. Je mets le train d'atterrissage quand même. Ça peut être bien pour atterrir. C'est mieux. Sur la base. Bon, pourquoi pas. La vitesse 150, ça me va. Un deuxième cran de volet. On va essayer de pas tomber en dessous. Alors. Le trim a bougé. La question étant qui bouge, mais pas comme un abruti non plus. Donc là, je vire, je perds de la vitesse, c'est normal. Il est en train de danser le truc. Ça aussi, j'ai envie de dire que c'est normal. Par contre, il y a toutes ces écritures là qui me fastiguent. Allez, je réduis. On cherche l'axe. Je suis pas sur tous les volets. Voilà, je suis sur tous les volets, mais je suis plus dans l'axe. Allez. Là, je vais juste aller chercher la proximité de la piste et remettre les gaz, parce que de toute façon, techniquement, sans les freins, là, je risque de pas pouvoir me poser. Faut que je me fasse un peu plus court. Ok, on remet la puissance, on retire des crans de volet, on surveille la vitesse là. Et on rentre le train. La vitesse est bonne.
les. Bon, ben tu vois, pour le moment, ça va. Ça va, c'est très bien. Bon, ça va. Olé! J'ai mis un méchant coup de palonnier à droite. Ah, le Spitfire qui crache enfin du feu. On est 1300 pieds. Bon, l'idée ce soir, ça reste quand même de refaire un peu la mania de base avec cet engin. C'est vrai, je sais plus depuis combien de temps j'ai pas utilisé, j'ai pas volé sous DCS. Bon, là, le terrain est en bout de piste, c'est pas mal. Peut-être un peu haut, mais j'aime bien. Je préfère être haut sur cet appareil que trop bas. Alors, on va se mettre un cran de volée. On sort le train. Fin devant arrière. C'est pas mal. Le train est sorti. J'ai la pompe. La vitesse 120, c'est un peu léger. De cran. Allez, on base. Un joli U, la vitesse qui s'écroule. Je suis allé loin. Allez, je réduis tout. Sur les 100 nœuds. Les 100 mph, pardon, là-dessus. Je suis un poil court et un poil pas assez vite. Et un poil pas dans l'axe. Mais ça devrait être l'atterrissage court. Je réduis tout. Bon, alors c'était du soft, la vitesse chute. Mais j'ai pas de frein. Alors on regarde le penchant en arrière, tous les volets bien sûr. Heureusement que la piste elle est longue. Elle est très longue. Bon, premier atterrissage réussi. Félicitations. Merci, lieutenant, merci. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va voir si pour moi ça va être toujours le cas. Alors, je vais me connecter sur le serveur. Ouais, normalement c'est bon. Attends, je vais faire semblant d'aller sur un pseudo parking où je pourrais toujours pas m'arrêter. Et je suis à. Il est toujours lancé cet animal, hein. Écoute, tes freins ne marchent pas. Bah, disons que j'ai pas pu les régler, donc je vais me mettre dans l'herbe, il va peut-être finir par s'arrêter. Hein. Puis c'est vrai que t'as pas le même rayon de virage au sol hein, quand t'as pas les freins. Sinon, il y a des petits baraquements, là, la solution pourrait consister à les terminer dedans.
Je te conseille les grillages, hein. T'en as à côté de toi. Parce que les grillages encore, ça peut bouger. Un baraquement, un mur en béton, je suis pas sûr. Bon alors attends. Ah j'ai ralenti quand même, ça c'est la bonne nouvelle. Elle passe s'arrêter au milieu du taxi, où est ce con là? Ah pardon, j'étais un gros. Oh là c'est pas bien. Bon, voilà. Je suis quasiment à l'arrêt, manche au ventre, hein, on sait jamais. C'est vraiment ballot de pas avoir de frein. Tadidadida. Tiens, il y a d'autres avions là. Ah ben oui, normalement c'est là qu'on est garé. Bon. La vidéo passionnante, tu sais, le mec qui essaye de s'arrêter dans son P51 sous DCS, ça la fout bien. Voilà. T'inquiète pas, moi c'est pas glorieux. Ah non, non, mais attends, attends, d'avoir un témoin au minimum là. Alors là, on fait le pari qu'il va s'arrêter, mais ah, il y a une Jeep, ça peut arrêter un avion, une Jeep aussi. Attends, je vais faire une aspiration d'air avec lui. Je suis optimiste, hein, si je crois que je vais m'arrêter là. Ah si, je crois que ça va m'arrêter. Là, le premier qui me dit qu'il faut que je me mette à l'endroit, je l'assomme. Quoique c'est possible en fait. Mais je l'assomme quand même. Bon, allez, tu t'arrêtes un peu qu'on change de jeu débile. Ah, attends. Il est pas arrêté, hein. Toujours pas. Ah non, mais là il est à 3 cm seconde, mais il est pas arrêté. Ah, ça y est, un petit coup de rafale et. Bon, il était quasiment à l'arrêt. Bon, alors, donc tu dis serveur. Quitter. Bah, quitter tout court. Voilà. Fermer. Multijoueur. Alors, il a trouvé rejoindre. On verra l'adresse pendant une fraction de seconde. Mais bon, il n'y a pas le mot de passe donc. C'est pas grave. PMD est connecté au serveur. Oui, c'est ça, garçon. Voilà. Briefing volé. Bon alors. Machin en vent arrière. Allez, je vois ça, ouais. J'ai beaucoup de mal avec. Je sais pas s'ils ont changé un truc, Ah non, 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 ils ont rien changé du tout. mais. Allez, je te filme là. Je vais pas te mettre la pression, mais si tu te poses comme un sabrak, tu redeviens sous-lieutenant. Voilà. Je vais de l'air et ça retourne directement. Ah, attends, par contre, le bruit du moteur est quand même assez fort là. Bon, je m'intègre Voilà. en longue finale. Ouais, je vois ça, ouais. Allez, j'ai baissé le volume audio. Bah, par contre, tu vois, j'ai pas eu besoin de sortir, il m'a juste fait baisser l'audio. C'est une longue longue en fait. Oui. T'es sûr de voir la piste au moins? Parce que moi, je la vois pas là. Ouais, je la vois, elle est devant. Et tu vois, j'ai remis un tout petit peu de gaz et je pars comme n'importe quoi. Enfin, comme une chaussette, quoi. Ah ouais. Ah bah ça c'est un peu normal, j'ai l'impression. Non, pas que ça le faisait pas avant. Pas autant de mémoire. Ah bah ils ont peut-être amélioré la dynamique alors. Alors je vois des trucs en face, je vois des choses, mais je vois pas la piste. Ah si, c'est ça la piste, d'accord, ok. Droite gauche. Qui c'est qui va devenir sous-lieutenant? Qui c'est qui? Non.
Si t'es pas sous-lieutenant, t'es sur-lieutenant. Là, ça a l'air d'aller. Jusque-là, ça a l'air d'être bien, ouais. Oh, dis donc, hein, posé avec la vue sur la mer. Et il fait quoi l'autre abruti là? Ouh, la piste, si ça a l'air d'être pas mal. Hein. Là, petit rebond. Bon, ça va, ça va, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. Faut dire ce qui est, c'est bien, c'est bien, bien. Je stresse. Ouais, mais l'honneur est sauf, c'est ça qui compte. Oui, c'est ça qui compte. Et c'est quoi, c'est des volets ce truc qu'il est en dessous là? Ah, dis donc, Ouais. c'est carrément à 90 degrés par rapport à Et les l'axe. volets, c'est assez énervé sur les Spitfire parce qu'il n'y a qu'un seul cran. Enfin, c'est genre D'accord, c'est en binaire. fait, ils sont ouais, ils Rentrée ou sont sortie. complètement rentrés ou 90 degrés. C'est pas mal ça. Voilà. Bon, très bien. Félicitations, monsieur Damien. Parfait. Bon, t'es pas passé sous lieutenant, donc tout va bien. T'es heureux. J'espère. Alors, on va essayer de redémarrer ce bazar. J'avais très bien mérité mon grade. Bah oui, hein, ça aurait été dommage de. Hein. Bon, alors. D'ailleurs, alors tout à l'heure, j'ai volé, j'ai démarré sans régler ça. J'arrive même pas à le régler là. Oh là là, faut pas être pressé, hein. Trim de direction de la C. Trim de direction de la C, pardon. Bon, je crois que c'est à peu près par là qu'il faut le régler. Lui, on n'y touche pas. Lui, je l'ai plus au joystick. Voilà. Ça y est, j'ai le trachère qui me recasse les pieds. Si. Alors là, appuyer les pieds sur les freins, ça va pas servir à grand chose. Trim, là c'est bien. On remue tout ce qu'il y a dans le moteur. Vas-y, gars. Encore un peu. Je vais au moins prendre le manche en arrière. Le moteur a démarré et donc l'avion roule puisqu'il n'y a pas de frein. Pourquoi il n'est pas complètement rentré lui? Non mais je dis ça pour le gars qui est encore en train de dormir dans son fauteuil là, car la vidéo. Bon. Techniquement, normalement, je sais pas. Ah, bah, t'es à côté de moi. Oh, ok, d'accord. T'inquiète, Alors, en je vais principe, surveiller. c'est à ça que ça sert de parler. Et pas simplement pour dire des conneries. Je l'applique à moi-même, évidemment. Oh là, il y a un canon devant. Coucou les gars, faut signaler votre position. Bon, bah écoute, je vais te laisser décoller. Moi, mon moteur, il n'est pas encore chaud. Par contre, faut que je fasse gaffe à pas aller trop loin en face. La piste est encore un peu plus grande. Ouais, là, je suis en train de m'aligner à la gauche, la piste, là, ouais. Ouais. Parce que mon problème à moi, c'est que, comme je te disais, j'ai pas de frein, donc je vire à la enfin, à la vitesse. À l'amplitude que ce truc-là décide. Apparemment, ça se passe plutôt bien. Allez, vas-y. T'as gagné le droit de décoller.
Je suis avec toi. Bon, je m'éloigne un peu de l'avion, mais je vois qu'il est, il est dans le bon axe là. Ah. Ok, donc on a un cran de volée, on a la pompe, on est à peu près dans l'axe. Le manche est au ventre. On cherche l'axe de la piste. L'axe de la piste, voilà. Pas toute la puissance, sinon c'est pas une bonne idée. On remet en ligne de vol. On se met en ligne de vol. Oh. Et on décolle un peu plus de puissance, mais pas trop. C'est un peu sportif, mais j'ai décollé. On rentre le train. On met les gaz. Wow. On négocie avec lui à chaque fois. Hein. On part pour une petite patrouille. Ok. Je rentre les volets. Ok, c'est bon, j'ai remis les mitrailleuses là, comme ça tout à l'heure, ça me servira peut-être à m'arrêter. On fera le test. Bon, alors régime moteur. Principe, c'est dans les 2700, hein, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire par là. Ça m'évitera de casser le moteur aussi. Bon, tu te rappelles comment on fait pour enlever les textes ou pas là? Shift F10, je crois. Shift. Alors shift, Shift de gauche c'est pour moi. ça. Bah écoute, il veut pas. Hein. Il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un truc avec en plus. J'essaie de taper. Il y a peut-être un. Non, c'est Shift F10, moi ça a fonctionné. Sinon, tu peux contrôler. Tu peux essayer Shift F2, mais t'auras peut-être toujours les unités au sol. Alors attends, là je vais essayer de sortir, de pas rentrer dans le nuage déjà pour commencer. Ça m'arrangerait bien. Écoute, tu vois, j'ai enlevé les étiquettes, c'est moi en vert, j'étais perdu. Ah non, Je non, sais mais pas si je peux. c'était pas les étiquettes, hein, c'est le texte qui a. Effectivement, ouais, peut-être que j'ai enlevé des trucs alors. Non, non, là c'est juste les informations de connexion là. Ah, à gauche, Ouais. tabulation. Ouais. Ah, gagné, merci. Ok. Ah, je me sens mieux comme ça. Bon, alors je sais pas où t'es. Moi je suis parti vers le. Je suis parti vers où d'ailleurs? Alors attends, il y a un compas là-dessus que je sais jamais lire. En principe, là. Je dirais que je suis à gauche. Je dois être à l'ouest là, je pense. Par rapport au terrain. Tu vois. Puisqu'on a décollé dans l'axe. Hein. Oui. Là, je suis en train de revenir vers le terrain. Oui. Je sais pas à quelle vitesse tu voles par contre. Là, je suis à 250 a priori. MPH, C'est qui? MPH? hein. Ouais. Alors attends, Mach F10, tu dis? Ouais, Ouais. ça y est, ça a viré les Mach F10. Y a pas une cheminée à dézinguer par ici? Il y en a une, tu vois le terrain qui est à ta gauche, Ça y est, vu. qui doit être cap Ah ouais, il est à ma genre gauche là. 3. Et il est dans Ouais, mon bah aile là. ouais, bah il y a une cheminée qui est juste Ah ouais, on la voit bien la cheminée là. bah voilà. Alors quand je dis qu'on la voit bien, c'est que je la voyais bien. Non, ça y est, je la vois encore. J'ai
J'ai pas dû passer trop loin, mais je suis passé. Ah, il y a un speed derrière moi. Oui. T'as été gentil de pas tirer sur la cheminée là. J'y ai tiré. Ah bon? Mais t'es pas passé dedans. Ouais, ouais. Parce que j'ai même pas vu passer une balle, rien. Pourtant, si. D'accord. Bon, ben c'est parfait. T'as un petit rasmote là sur la ville qui est droit devant. T'as tiré dedans? Moi, non. J'ai tiré sur les arbres, il y a plein d'arbres là, il y avait des pigeons. Boum. Qui c'est qui a fait ça? J'étais en dessous de toi. Ah voilà. Bon. Je suis en dessous et on me tombe dessus. Il faut le dire que t'étais en dessous. Ah, je te jure alors. Bon, alors on fait quoi là? Si on fait reprendre la... Non, faut sortir pour revenir. Non, faut faire sélectionner. Ouais. T'as pas pu t'en empêcher, hein? Mais j'ai rien fait. Pas ma faute. Si, monsieur. T'étais en dessous. Tu préviens pas. Ah oui? Ah bah oui. Mais besoin de prévenir. Bah si. Tu me connais maintenant. Non, ah non. Justement, j'essaye d'évoluer relativement bas par rapport au sol. On a perdu, c'est dans l'autre sens. Donc forcément, éventuellement, tu vois, je cherchais le bas pour vérifier où j'étais. Pas de bol, j'ai descendu à ce moment-là. Hop, hop. Bah, désolé. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, même involontairement. Alors, là, en principe, il y a un truc à remonter, là. Voilà. Donc ça j'ai mis, ça j'ai mis. C'est toi qui es déjà là? Ouais. Toi tu démarres à la vitesse de l'éclair aussi là. Le speed ça va, il est facile à démarrer. 51 aussi, mais enfin quand même, à ce point-là. C'est comme une voiture, tu mets la clé et tu tournes. Alors là c'est fait, ici c'est bon, non, il y a ça aussi à mettre. Quand je te demande de tourner la tête à droite, tu vas à droite, merci, voilà, c'est bien. Alors, c'est bon, les freins sont actifs. Alors, on fait quoi? Pas dire des conneries. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille, c'est assez touillé. Mais oui, j'avais pas le souvenir que le speed était aussi sensible par rapport à la manette des gaz. Ah oui. Enfin, tu sais, l'effet que ça te produit sur l'axe horizontal. Le moteur. Ouais. Tout à fait. Alors attends. Il y a un truc avec une enveloppe qui a marqué 10. Pourquoi? C'est 10 messages? Ah, parce que c'est 10 nouveaux messages, ouais, sur la tabulation. Mais je crois que tu peux l'enlever si tu fais contrôle tabulation. Ah non, tabulation, c'est bon. Je viens de voir que t'as décollé là. Ouais. Tu veux l'enlever complètement? Je crois que c'est deux fois contrôle tabulation. Après, je me trompe peut-être, mais. Ah non, bah tabulation, 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 c'est parti. Il a zappé de l'un au message et ensuite il a tout viré. Bon, je suis en train de faire un tour de parking en fait. Quelle heure il est? 22h. Merci de me donner l'axe de piste. Ouais. Ouais, je te vois, ça va, t'es encore haut. Ouais, t'es disparu, t'es sous les arbres. Alors, la piste, elle est un peu plus loin. Mais il vaut mieux que je commence à tourner maintenant.
Je fais comme si j'avais des freins, mais j'ai pas de freins. Allez, tourne! Tourne! En plus, j'ai pas de frein, donc si je calcule mal, comme ça a l'air d'être parti, c'est direct en dessous dans l'herbe. Ah, j'ai attendu 5 secondes de trop là. Il n'y a pas de problème de mèche là. Hein. Les 2,50 m ou les 2 mètres, il les a bien sentis. Bon, allez, manche au ventre. On a un cran de volée, la pompe. On est au milieu de l'axe, enfin sur l'axe de piste. Un peu de pied à droite. Un peu. 80 mph. Oh, t'as déjà décollé? Oui. Ah non, je parle à l'avion là, c'est moi. Ah, il a décollé déjà. On rentre pied. On rentre le train. On met les gaz. Bon, on va redire bonjour à la cheminée alors. Ouais, elle est pile en face. Ça marche. Je suis à tes 2 heures. Ah, j'ai entendu quelque chose, ouais. Nickel. Ah, tiens, j'avais gardé la fenêtre ouverte. Je me suis dit que j'allais la fermer, mais non, bien sûr. Oh là. Ah, bah ouais, non, mais si tu fais pas ce qu'il faut avec lui, il est pas content. Allez, vas-y, je te laisse passer devant là. Genre, si tu vois venir le coup de Trafalgar, t'as pas compris, si t'es pas venu. Hein? Qui sait, il y a peut-être une balle perdue qui va arriver quelque part. Hein? Bien sûr, vengeance, comme disait l'autre. Ah, je t'entends tirer déjà. Même pas. Ah bon? Encore. C'est bon, on marche. Je suis dans l'axe. Que hein. J'ai vu passer devant moi. Ah ouais, bah t'es pas devant moi donc. De toute façon, si t'es pas sur la même axe de tir, de ligne, la même ligne de tir, pardon. Bon, j'ai bien dû en tout mettre une ou deux dedans. Oui. Bon, allez, tu fais un virage à gauche et moi je fais un virage à droite maintenant. Ouais. Ouais, c'était pas. J'ai un peu galéré à comprendre ce que tu m'as dit. Heureusement que j'ai regardé quand même. Hein. Ah, j'entends pas un truc qui tire là. Je tire pas. Ah bon. Alors, y a pas quelqu'un d'autre qui est rentré sur le serveur là? Bon. Ah, y a plus qu'un seul message. Mais c'est parce que t'as décollé. Il donne des messages quand on décolle? Ouais. Je désactiverai la prochaine fois quand on relancera le serveur. Donc en fait, tu vois, j'arrive pas à fermer la verrière. Donc je suis en train de me demander si c'est parce que Éclair, il a pas décrété que c'était pas possible. Bon, alors, allez, on va faire une petite spirale autour de la cheminée. Ah, c'est ça, ça fait un flip-flop d'air, j'ai l'impression. Un peu comme une rafale, tu sais, sauf que c'est l'air. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Ah, tiens, ça y est, la truc, elle tourne. Alors, il a seulement compris maintenant ce que je lui ai demandé tout à l'heure. En fait, c'est tourner autour de la cheminée, pour lui, ça veut dire tourner la manivelle. Pourquoi pas. Alors, il y a un petit terrain, là, tu vois, je fais un terminement 360 autour de la cheminée. Et je fais un passage basse altitude. Je suis derrière toi. Ah, d'accord. Je sais pas où est la bille là-dessus. On va faire 100. Ah, ça y est, j'ai trouvé la bille.
Je suis à gauche de la piste. Ah, j'ai bien fait de rester à gauche, je me suis dit. Est-ce qu'il se passe un truc? Oupoupoupoupou. Tu t'es fait peur? Eh ben, j'ai dû passer 1m50, hein. J'ai cru que j'allais tondre le gazon. Hop, je te vois, tu vires à gauche. Je te suis. Je suis à 220 mph. Putain, la mitraillette, elle est sensible, hein. T'es en plein dedans, là. Ça fait quoi de sentir que t'as tous les canons qui sont sur toi, là? Mais bien, hein. Je sais pas. Hein. J'hésite entre l'autre façon, tu m'arrives, tu m'abattras pas, dans le sens où tu n'y arriveras pas. Ah ouais? On peut, il suffit d'appuyer pour le savoir. Hein. Vas-y, appuie. T'as appuyé là? Ah ouais. Tu l'as pas vu passer par contre? Non. Ah, là, j'ai entendu surtout. Ah, donc tu as touché là. Ouais, à droite. D'accord. Ah, endommagé, ouais, c'est ce qu'il a écrit un truc là. Donc je te suis, hein, je te filme là, c'est toi qui fais les évolutions et moi j'essaye de te suivre. Ok. T'es leader. Écoute, je suis à 220 pH, 220, 230. Ouais, moi j'ai l'impression que je suis plus ou moins là-dessus, ouais. J'ai tourné direction la cheminée et fait un passage basse altitude sur le terrain. D'accord, je te vois, je te suis. Hop, je redresse. Ok, visuel sur la cheminée et le terrain. Cap 80 pour ma part. Toujours à 220 mph. Par contre, moi je suis plus rapide, je suis en train de te dépasser par la gauche là, à l'instant. Ouais, je suis à je 260. Mettre un peu de gaz, hein. Je vais mettre un peu de gaz. Je reste à gauche de la piste. De toute façon, je reste à droite. Donc. Ouais. Ok, dans 4, tu vas faire un break gauche et moi un break droit. 3. Ok. 2, 1, maintenant. Ok, je t'ai vu, t'es passé sous moi là. Ouais. On se rejoint à l'autre bout de la piste. Ok. Début de vente arrière. Ou l'équivalent, je suis à 1000 pieds. Tu veux qu'on fasse un posé sur la piste? Non, non, on fait une formation, on va plus ou moins essayer de se croiser derrière enfin un kilomètre, on va dire, ou deux derrière un bon kilomètre derrière l'usine, enfin la cheminée. Et on essaye de passer en même temps sur la piste. Je te vois pas. Je suis en fin de vente arrière. Ouais, je suis déjà en fin de vente arrière. Là, je regroupe sur toi. Je suis au droit de la cheminée, là. Tu me vois? Oui. Bon alors, ok, basse pour moi et pour toi. Je suis à 500 pieds, 300 pieds, 400 pieds. Moi, je suis en face de toi, quasiment. D'accord, ok, je te vois pas, mais je vire. Je suis en dessous de toi, je vire. Ok, hop là, je suis un peu trop... J'arrive dans l'axe de piste, là, je me mets à gauche. Travers cheminée. Je te vois pas là. J'arrive derrière toi, là je suis à tes 4 heures, 5 heures. Ok, ouais, d'accord. Ah, donc toi on avait quoi, 200 mètres de décalage? C'est impressionnant de voler à cette altitude, hein. Allez, je suis la côte. Hein. D'accord. Je suis la côte là, je passe sous le niveau des falaises. Je vais essayer de faire un petit. Par contre, l'altimètre, il est
Ouais, bah, il doit être réglé à... Ouais, il est réglé à 0 sur le terrain. Parce que là, je suis en négatif. Je me disais que le 100 pieds par rapport aux arbres, ça faisait un peu bizarre par rapport à la mer. Donc là, je suis à moins 50 pieds, moins 60 pieds. FPS. Seulement 23, mais ça tourne super bien. Allez, dans 4 secondes, je vais faire un virage à gauche avec 60 degrés d'angle. 3, 2, 1, maintenant. Et je suis à combien là? 250 mph. Je suis Alors toujours à tes attends. 50. D'accord. À 500 pieds, c'est bon, j'ai trouvé le ce qu'il faut. Si tu peux, tu te mets sur ma gauche. Ok. Je descends un peu, je vais chercher le frontal falaise. Je suis à T7R du coup. Alors la falaise, elle est un peu plus à droite. Ok, on est au ras des flots là. Il doit y avoir une falaise en principe. C'est pas haut, hein. Tu me diras, elle est pas grande la falaise. Le but c'est d'arriver sous la falaise et de passer au-dessus. Voilà. Et on va essayer de rechercher l'axe de piste pour arriver au ras des pâquerettes. Je suis 270. Ok, l'axe de piste, je reste à droite de la piste. Ok, moi je suis toujours à ta gauche. Ok, bien, là c'est bon là. Joli. Je suis un peu plus bas que toi. Ouais. On converge un peu, on fait gaffe. Ok. Bien joué. Ah, tiens, il y a les deux petits rochers à droite là, t'as vu? Le fameux, ouais. Ah, Que bah de bons oui. souvenirs. Ouais, bah oui, hein. Allez, je te laisse passer devant, tu m'y emmènes. Donc j'ai ouvert à gauche. 270. Au-dessus de la voie de chemin de fer, ou ce qui semble être une voie de chemin de fer. Tu préfères être à gauche ou à droite? À gauche. Ok. Je vais me mettre à ta droite alors. Yes. Hop. Ok, je te Chouette. vois. Très bien. C'est bon? Ouais, nickel. Bah, tu vires quand tu veux. Bah on va virer à droite maintenant. Ok. Je fasse attention à mon altitude, je suis à 280 mph. Je pique un peu du nez. On voit ça. Hop, je redresse. J'ai accès un peu à droite par rapport au piton rocheux. D'accord. Je t'ai perdu de vue. Je t'ai Je suis perdu proche de la... Je suis devant toi. de vue. Ouais, ça y est, je te vois, ouais. À 1 h. Hop, je viens un peu à gauche. D'accord, ouais, je me mets sur le bordure. Ça y est, j'ai un visuel. Là, tu vas passer juste devant moi et moi juste derrière. En principe. Fais attention au... Comment ça s'appelle? Au Au zzzz. Je suis au-dessus. souffle. Ouais, parce que je suis juste au-dessus de toi là. Ok, t'es à ma gauche, là c'est bon. Et j'ai T'as pas réussi à été. passer? Ouais, bah juste au-dessus de toi. Hein. Attention, là je suis en train de plonger. En plus de ça, je te Non, je te rattrapais vois. donc. Et je sais pas là, mais c'est ultra fluide là. Je suis 25 FPS, FPS pardon. La vitesse, c'est impressionnant. Je fais du raz-mat.
Ah ouais, moi c'est plus vers pareil. toi. J'arrive sur ta droite. Vu. Là, je suis à 4 heures. Oh là. Ouais, hein. Tu aimes prendre des risques? Ah bah j'essaie de faire du rase flotte, hein. Si j'aimais prendre des risques, j'essaierais de faire un looping, tu vois. Ah, ça y est, je te vois, t'es devant moi à droite. Que tu me diras, peut-être que moi aussi j'aime bien prendre des risques parce que j'ai l'impression d'être bien bas. Je confirme, tu es bien bas. C'est... Ah, le souffle. Non, c'est pas ça, c'est heureusement qu'il n'y avait pas un surfeur parce que là, je crois que... Il aurait eu chaud à la tête. Ou froid, je sais pas. Bon, je vire à droite. D'accord. Voilà. Oh là là. Je suis un peu n'importe quoi, mais bon. Ouais, j'ai vu que t'es parti à gauche, là je t'ai suivi et a fait une espèce de vibration là. Ouais, je suis le long de la coche, je suis un peu plus bas que toi. Ouais, je te vois. Il y a une cheminée là à droite. Enfin non, j'ai pas vu la cheminée, mais Enfin, d'accord. à droite de moi. Bon, Sur mon je aile. t'avais en visuel, mais je t'ai plus. Je suis devant toi à 1 heure à peu près. Et je vois la cheminée, là je passe au droit. Bah, ah, c'est mon terrain préféré juste après. Ah ouais? Bon allez, je vais Ouais, parce dire qu'il bonjour à donne la cheminée directement alors. sur une. Sûr. Sur une falaise. Ah d'accord. On allume la cheminée. Alors là, si je l'ai pas touché. T'inquiète pas, j'ai vu les impacts. Ouais, hein, tu confirmes. Hein. Ouais. Pile dedans là. Je crois qu'il n'a jamais été aussi bon sur un tir cheminée. Alors ce soir, je sais pas ce qu'il y a là, mais c'est d'une fluidité. Enfin, tout se passe bien, quoi. Hormis le mouvement qu'il a eu tout à l'heure en faisant n'importe quoi quand j'ai breaké à gauche pour te suivre. J'ai pas vu la vitesse, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais hop, là, je reviens sur la cheminée. Je suis à tes 7 heures. D'accord. Non, 9 heures. Non, 7 heures. 6 h, 5 h, hop là. Ouais. Non, 7 heures, attention. Et ton terrain, il est où alors? Il est là-bas en face? Ok, Ouais. visuel. Bon, on arrive par la gauche. Là, je m'aligne. Je vais tâcher de m'aligner dessous, passer sous la falaise et sortir dans l'axe. C'est l'exercice. Je le devine là. Je le devine plus, mais il doit être pas loin. Allez, on va dire qu'il est là. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Il frise là. Bon, il m'a frisé 3 secondes, mais je suis sorti à droite à gauche de l'axe. Donc c'est-à-dire que je devais être à peu près dedans. C'est-à-dire qu'en fait, Super. tu vois là, j'ai eu l'image qui était fixe pour moi, mais pour lui, il a continué l'évolution de l'avion. Donc heureusement que j'étais en phase légèrement en pente montante. Sinon, quand je me réveillais, boum, dans l'avion, dans les murs. Je vire à droite. Non, je vois ton ombre, pas la mienne. Enfin, non, pardon, je vois mon ombre, c'est pas toi. Je suis un peu plus loin derrière toi. Allez, on va essayer de faire un toucher d'urgence là. Donc tu coupes le moteur? J'ai réduit le moteur à fond. J'ai sorti les roues.
Enfin, ce que je crois avoir sorti les roues. Maintenant, j'ai touché les roues. Confirmé au niveau des roues, je remets un peu de gaz. T'arrives en fin de pit, non? J'essaie. Donc je pense pas avoir touché, mais je devais pas être loin du tout. Tu parles d'un toucher d'urgence. D'ailleurs, c'est quoi un toucher d'urgence? C'est une envie de toucher absolument. Mais ils n'avaient pas réglé ce problème de cette désynchronisation à l'atterrissage où tu voyais les autres joueurs s'enfoncer dans le sol. Ouais, bah écoute, je sais pas. Il me semblait qu'ils l'avaient corrigé déjà la dernière fois. D'accord. Ou alors, en tout cas, c'est peut-être moins. Bah disons que là, de toute façon, je pense pas avoir touché. Hein. Je devais pas être très loin, mais j'ai pas touché. Parce que pour moi, tes roues sont allées dans le sol. Ah, d'accord. Bon, ben, ça va pas être corrigé alors, puisque moi je pense pas avoir touché. Je devais vraiment pas être loin, mais pas dessus. Donc là, je suis en vitesse limite. Je descends et je reprends de la vitesse. Et voilà. Bon, alors, je vais monter à 4-5 000 pieds. Et je te laisse deviner la suite. Pas besoin de deviner. Ouais. Je sais ce qui va se passer. Donc, évidemment, on atterrit face à la mer. Comme ça, si on est trop loin, on tombe. Voilà, sachant que moi j'ai pas de frein, donc c'est pas drôle du tout. Bah tu vas devoir tirer hein. Ouais, ouais, ouais. 2500 pieds. Je pense pas que t'aies vraiment le choix. Bah sauf si j'arrive à faire vraiment un atterrissage, ah oui tu veux me dire ultra précis mais en plané. Voilà, j'ai cherché les emmerdes hein, parce que je suis passé dans le nuage. Alors je suis à combien là? Quatre mille pieds. Ouais, le temps que je trouve l'horizon artificiel qui en plus est verrouillé donc. Bon, allez hop, je cherche la verticale du terrain. Je suis à 100 et quelques nœuds, pas assez rapide. 4000 pieds. Hop là, allez, je monte. Tu vas me dire, j'ai la verrière à moitié ouverte, donc avec un peu de bol. Ça va faire froid. Tiens, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'avais des. Voilà, allez hop. Je réduis les moteurs. Je réduis aussi, je suis derrière toi. Pas très loin. 0,4 nautique. Ok, je cherche. J'espère que tu pourras atterrir et me libérer la piste. Alors là, n'y compte pas trop. Si, je vais atterrir, ouais, dans l'eau. Donc là, j'ai viré à gauche. Alors attends, j'ai remis juste un chouïa de gaz pour éviter qu'il fasse du bruit tout le temps, là. Alors, il est où la vitesse, là? Hop, 170. On est loin, là, pour un face à la mer. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis aussi, mais bon. Ça sera d'autant plus intéressant. Donc il doit être encore en régime moteur minimal. Ah tu parles, je suis à 1500 pieds. Je suis en pseudo vent arrière ultra courte. 120 nœuds. Je vais me gaufrer. Je suis un peu plus haut que toi quand même. L'avantage, c'est que maintenant, en mettant les...
faire mettre les gaz. Nick. Ça va là, je m'intègre juste en cours. Ok, j'ai touché. Avec les freins, je pense que ça devait passer. Hop, je sors le train. C'était un peu chaud, mais... Je vais peut-être être un peu court, moi. Non, c'est bon. Reviens vers toi. C'est bon, touché. Je remets les gaz. Ah non, pas trop. Oulais. Je remets les gaz, je disais. Ah si, ouais, je te vois là. Hop. Dis donc, t'as toujours ton train de sortie. Hein. Ah ouais. Merci. Pour moi en tout cas. Je sais pas si. Bien vu. Si c'est le cas ou pas, mais. Si si, confirmé, merci. Je profite de ce moment pour me mettre derrière toi. T'as raison. Dessus, moi je me défends. Ouais, ouais. Je cherche les emmerdes là. Ah ouais, ouais pas mal, ouais. Toucher une. Toucher deux même, je pense. J'en ai une, c'est sûr. J'ai entendu. Putain, j'ai le bazar qui vibre comme un abruti là. D'ailleurs, ça fait bizarre de voir ça vibrer à l'intérieur de la carlingue là. C'est étonnant ce qu'on lui fait. J'espère que tu n'as pas trop de trous. Ah bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, le merdier il vibre là. Comme jamais il a vibré jusqu'à présent. Ah oui, t'as l'aile gauche qui est pas très. L'aile gauche qui n'est pas très. Lisse, on va dire. Petite pause du coup. Ouais. Parce que là, le merdier là qui vibre comme ça, ça m'inspire plus que moyennement confiance. À gauche, j'ai l'impression d'avoir des trous un peu partout là. Mais non. C'est qu'une impression comme tu viens de le dire. Bah, y a un truc là qui s'est cassé là. Ah bah ton avion, oui. Ton avion s'est cassé là. Ah ouais, bah oui. Hop, le pilote est mort. Je suis sorti du cockpit. Par contre, j'ai l'impression qu'il y avait un problème sur la roue parce que, comment dire, quand je me suis posé, il tirait sur la droite, tu sais. Ah, il n'était pas horizontal. Bon, bah, c'était pas mal cette session là. Ouais. Ça fait du bien de revenir un peu sur. Ah bah oui. Sur DCS. Ah oui, c'est sûr. Sauf que là ce soir, je trouve que c'est ultra facile à piloter. Trop facile. Allez, ça se plaint encore. Ouais, et des fois j'ai eu l'impression que c'était pas aussi. Bon, alors on fait quoi? On change de rôle? Sélectionner ouais. Le rôle. Hop là. Non, ça y est, il a arrêté de vibrer le bazar. Bon, bah écoute. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vu tous les dégâts quand même. Là, j'ai pas. Ouais. Pas record ni rien donc. Bah disons que moi aussi j'enregistre là, mais
Mais évidemment. Alors si on faisait un arrêt sur image à gauche, on verra un peu qu'il y avait quelque chose de pas normal, il me semble. Bon, en tout cas, je suis assez content parce que j'ai, enfin, j'ai pas touché tout à fait un début de piste, voire même, je sais pas si j'ai touché pas avant le milieu de piste, peut-être d'ailleurs. J'étais plutôt bien parti. Me semble-t-il. Ah ben je suis con, quand j'ai été au sol, j'ai pas pensé à tirer avec les mitrailleuses là pour voir s'il allait freiner ou pas. Allez, on touille, on touille, on touille, on touille. On arrête de touiller et on met ça ici. Moteur démarré. Ah, je te vois là-bas. Je sais pas si tu peux voir les flammes toi aussi. Les flammes? Ouais, quand je démarre le moteur. Ah, un peu loin là. Hop. Ah si, tiens, faudra que je remette le bouton de la pompe, ça sera plus simple pour gérer ça. Allez, je suis parti pour faire une valse. Pour un grand 8. Je vais m'écarter parce que... Ouais, t'as raison. Pas encore que là, ça devait passer. Ouais, bah là, ouais. Non, ça passe. Ouais. Je crois que c'est Tango qui avait écrit, mais non. C'est les copains. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je crois qu'on fait un balai à deux là. Ouh la vache, il y a les autres avec leur canon là, entier, rien là. Moi, je te suis. Ouais, c'est ça qui me fait rire. C'est qu'à la base, je suis un seul couillon à essayer de rejoindre la piste, mais là, je suis un couillon On est deux, du coup. accompagné. Je sais pas si je vais y arriver en fait. Alors, attends, on va faire une autre tactique. Je vire à gauche. Alors, attends, si j'accélère un peu. Ouais, donc tu vois tout à l'heure là, quand en volant j'arrivais pas à fermer la vitre, alors que là j'arrive évidemment. Alors attends, il y a les autres avec leur canon là-bas, ou il y en a d'autres devant là. Putain, mais c'est pas possible les mecs, planquez-vous, mettez-vous. Ah non, ça c'est autre chose, ça c'est quoi ce truc là? Isisé Un tracteur, ça. Ouais. on dirait. Bon, alors attends, je vais les contourner. Ah là, là c'est bon, ils sont contournés. Perpendiculaire, t'es toujours derrière? Moi, je suis toujours derrière toi. Oula, il y a un talus. Hop, y a avec un Ah trou oui, derrière. j'avais pas vu. Eh ouais. Putain, il est Que j'avais sensible. foncé de centre si tu m'avais pas dit. Ah ouais. Ouais, ça aurait été drôle. Parce que là, je sais pas, il y a des petits reliefs sur le sol. J'ai l'impression que l'avion, il bouge, tu sais. Il danse un peu Oui. là, Moi, par rapport au sol. bon, je confirme, c'est des reliefs. Ah tiens, je vois ma tête. Dans le miroir. Tout à l'heure, il m'avait semblé voir quelqu'un, mais j'étais pas sûr. Et en fait, tout à l'heure, c'était vide, mais là, c'est plein. C'est étonnant, ça. Roulage en formation, c'est le boss. Ouais. Bon, alors, on met un cran de volée. On a toujours la pompe. Je me mets sur la partie. Ouais, enfin. Ouais. On va dire que c'est relatif côté gauche.
Allez, je mets un peu de puissance. Je suis sur l'axe en fait. Manche au ventre. Badin, il est actif. Un peu de pied. Un peu de pied. J'augmente la puissance. Je rends le manche. Ligne de vol. Hop là. On décollage en formation. Si tu le dis. Ah ouais. Joli. Je rentre le train. Toi aussi en même temps. Train à rentrer. Je garde la pompe. Fatigué. Et je rentre les volets. Bon, allez, on va violenter la cheminée encore. Est-ce qu'elle est là? Elle est là pour ça. Ça y est, je te vois. Attention à la vitesse, est-ce que je suis qu'à 160 là? On la voit de loin en plus, c'est bien. C'est une cheminée. Bon, ils ont bien déserté encore ce soir. Hein. Ouais. Hein. Même Tristan là qui devait pouvoir venir, il a dit, mais ouais. Finalement, il a eu du mal apparemment. C'est pareil si c'est un match et que ça dure. Même Chuck, ouais. Qui m'avait vendu du rêve. Ah ouais? Quel genre de rêve? Comme quoi il s'est entraîné pour m'abattre. Ah ouais. Touché. Ah, il m'a touché aussi. Ah. Ça c'était pas prévu. Par contre, ce qui était prévu, c'était que je passe au-dessus de la cheminée, mais j'ai remis le manche à droite trop rapidement. Ok, je te laisse passer devant là. Je suis à ta gauche. 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 J'ai redressé. Voilà ça. Au passage basse altitude sur la. Il y a un terrain pas loin derrière là. À gauche, il y en a un. Ah, là, c'est celui-là, ouais. Devant gauche, sinon. Ouais. Voilà, tu es passé, mais comme une balle. Wow, pas si c'est ma faute. Oh, enfin, j'ai pas cherché à ralentir non plus. Hein. Moi, je te suis du coup. Ah, bah, je suis en train de voir que le terrain il est juste derrière moi à gauche. Là. Je viens de le voir dans la vitre. Tu confirmes? Ouais. Alors ça c'est pas mal, tu cherches le terrain devant, tu vois dans ton miroir qu'il est derrière. Alors ça c'est très fort. Par contre je comprends pas où il est. Bah t'as un terrain qui est à droite, t'en as un qui est devant à droite. Parce que c'était quand je passais au-dessus de la ville en plus, alors je comprends pas ce que j'ai vu. T'as pas confondu avec les sortes de hangars? Ah ouais, ou alors c'est que ça faisait des rutes. Et ça me faisait penser à des taxis. Ici, ouais. Il y en a un à gauche là. Ah ouais non effectivement c'est les routes et tout. Alors d'accord, ok. Parce que quand tu regardes dans le miroir, tu vois les routes de la ville, mais tu vois pas les bâtiments, j'ai l'impression. Oui, tu vois ni les arbres ni les. Ouais. Tu vois juste la texture au sol. D'accord, donc en fait j'ai pris la ville pour un terrain. Par contre, j'ai l'impression. J'en ai un autre dans l'axe là. Oui. À cette hauteur, je me hasarderai même pas au tonneau, surtout à 150. À gauche. Enfin, centre-gauche. Centre-droit pour ma part. J'ai un peu plus vite que toi, donc je vais passer devant toi, là. Hop. Ah ouais, dis donc, ça c'est du rasmode, ça. Boum. Et terminé. Au tapis. Ah bah oui. Ah bah oui, je te filmais, donc forcément, je te filme, je regarde plus ce qui se passe devant, et à cette hauteur, bah, ça se termine mal. Tiens, bah, je vais laisser la caméra sur toi, je vais envoyer un petit message à Tristan, voir un peu ce qui... Ça marche. Ce qu'il pense faire. Écoute, fais des évolutions, t'as le... Vas-y, amuse-toi. T'as la caméra derrière. Je vais essayer d'atterrir dans la ville. Dans la ville, d'accord. Ouais. Pourquoi pas. Bon, au cas où je me foire, j'ai déjà passé sous un hangar. Ça fait un peu de... Vas-y. Un peu de spectacle. Ouais. Ça, je regarde.
Joli. Et le deuxième hangar derrière là. Tu veux que je fasse les deux de la cité? Vas-y. Ben ouais. Ok. Défi relais. J'en choisis ce qui sont à peu près alignés. Ouais, ils étaient pratiquement alignés ceux-là. Oh ouais. Ce que je vois. Ah, ça va être tendu. Hein. Hop là, il y avait un arbre Oula. là. Ouais. Le premier. Le deuxième. Et on va aller vers la ville. J'ai essayé d'atterrir au niveau du port. D'accord. Je sais plus où c'était exactement. Au milieu de la ville, d'accord. Je vois Ouais, pas au bien milieu. où, mais pourquoi pas. Ah si, il y a un champ à gauche là, ouais. Un peu court, hein. Même pas sur le champ, j'aimerais essayer. Mal parti là, tu peux plus poser là, il n'y a nulle part à te poser. Ah si. Là, non. Bah si, voilà. Poser, pas casser. C'est quelle maison ça? Je me suis fait avoir par la cheminée en fait. Ah ouais. Bon, eh ben écoute. Alors attends voir. C'est dommage parce que là, pour le coup. Attends. Que j'aurais essayé, j'avais pas le bon axe. Attends. J'ai profité que tu es encore au sol là. Je bouge pas. Pour regarder un peu à quoi ça ressemble les maisons, tout ça. C'est pas mal foutu, hein? Tu regarderas la Ça vidéo, va. c'est plutôt joli, hein. Les maisons sont assez bien, enfin il y a des différences. C'est pas un truc qui est reproduit à Là. l'identique, enfin pas Ouais. exactement en tout cas, on va dire. Il y a des Puis de mon modèles de côté, t'as une maisons, petite. une De mon espèce de côté, là, grange là, ouais. t'as un petit vélo et une petite charrette. Ah, par contre, ça, je la vois pas. C'est pas à côté-côté, c'est quand tu regardes le port en venant de la mer, t'as des sortes de petits baraquements marrons. Ouais, en bois à gauche là. En bois, ouais. Et derrière ces petits baraquements, t'as des petites maisons. Et derrière l'une d'elles, t'as un vélo bleu. Baraquement qui est le plus éloigné de moi. Tu continues dans cet axe, t'as une maison. Je sais pas comment dire ça. Attends, là je suis à côté de la cheminée, je suis loin. Que je pourrais te donner un repère facile. Du côté du port là, dans les baraquements justement, il y a des rochers. Il y a une sorte de gros baraquement en gare Eh, qui est à il y a côté même une d'une mouette qui crique. vole. Oui. Attends, je vois la charrette. C'est pas pareil d'une charrette? Ah non, c'est pas une Ouais, charrette. charrette avec un petit vélo. Alors attends, là je vois la charrette à côté d'une maison qui a un toit en pente. Je Il y en a un vois. deuxième de vélo. Est-ce que tu vois, genre, quand tu regardes le port d'en face, t'as le château d'eau. Ouais, je vois le château d'eau, ouais. Tu continues, tu vois les baraquements, et entre les deux baraquements les plus au fond, t'as une maison avec un petit préau. D'accord, donc il y a l'opposé là où tu t'es craché alors. Ouais. Alors attends, je vais me mettre dans l'axe opposé, et hop, je m'éloigne, c'est comme ça. Je descends, il y a les trois petites maisons alignées là. Il y a une brouette.
On s'extasie devant une brouette, c'est génial. Ouais, je vois ta brouette. Bah, tu vois la brouette, t'as deux véhicules. Non, je vois pas les véhicules par contre. Que je vois Ah la si, brouette, deux mais juste voitures là. derrière, t'as deux voiturettes. Ouais, bah deux Voiture. voitures, ouais. Des espèces de À véhicules. gauche, t'as le muret. Gauche de voiture, t'as un muret avec une maison. Et en fait, c'est dans le patelin qui est à gauche de voiture, t'as une autre brouette charrette. Enfin, charrette plus. J'en vois deux. Avec un petit vélo par terre. D'accord. En fait, c'est un jeu. Alors, je vois un. Ah, j'en vois des choses, mais où est-ce que tu me dis? Bon, reviens sur les deux N'empêche. voitures. Attends, 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 attends. Par contre, c'est excellent parce que là, je vois bien la ville. À chaque fois, j'inverse. Ok, je vois les deux voitures, ouais. Et bah, si tu appuies sur attends, la touche 4 sur ton pavé numérique, tu vas te tourner un peu à gauche par rapport à moi. Et tu as une route qui fait un angle droit à gauche des voitures. C'est pas une route en béton, une route en terre, un peu plus loin. Attends, je Et vois. bah, c'est compliqué. Je vois les voitures, je vois la charrette. Ok, on va laisser tomber. Tu suis la route qui est entre la brouette et les deux voitures. Ouais, enfin Et j'essaye, tu mais vas là sur la presque. gauche jusqu'au croisement. Enfin, jusqu'à l'intersection où tu peux plus continuer dans cette direction. Je suis en train de me tordre le cou pour. Ah, quoique je découvre un peu comment manipuler la caméra, mais. Non, je vois pas. Je vois tout un tas de choses, mais je vois pas ça. Bah, la route qui est entre les deux voitures et la brouette, tu vas continuer en direction de la mer jusqu'au moment où tu peux plus continuer. Et à ce moment-là, tu as genre un patelin sur le côté gauche, donc côté mer, et tu as une maison en briques qui est à l'intersection quasiment. Où est-ce que t'as Et à été pour côté de trouver? cette. Comment t'as fait pour me trouver ça, toi? C'était crashé là-bas et tu trouves. Parce Putain. que Ok, je me par contre. balade avec la caméra. Est-ce que tu Là, peux je suis. zoomer, dézoomer? Mais en vrai, tu regardes bien, t'en as plusieurs endroits. Ouais, bah tu sais quoi, j'ai arrêté parce que là, je commence à voir la gère. Je comprends, je t'avoue qu'en VR, À tourner la tête bah. de tous les côtés, il y avait un truc qui fait pas les. Qui me fait des axes surprises. Ça fait un peu bizarre. Je t'avoue qu'en VR, on a un peu l'impression de voler et à des vitesses assez phénoménales. Par contre, je sais pas si t'as fait gaffe, mais quand tu amènes ta caméra pile au-dessus de l'eau, tu vois la mouette, une mouette, et tu Ouais. entends le bruit de la mer. Oui. Je l'ai. Je vais me laisser bercer par les flots. Et j'ai peut-être envoyé ce message à Tango. Oh, qui fait les rimes sans le vouloir. 38%, bon ça va. Ça suffira pour envoyer un message. Alors, où est-ce qu'il est cet animal-là? Je peux réapparaître du coup? Vas-y, vas-y. Ça fait une pique. Ah, ça y est. Peut lui dire que c'est un déserteur. Ok. Hop, allumage du moteur. Ah ben je suis sur toi. Et c'est raté. Ouais, je vois ça. Du coup, ouais, normalement, t'as des flammes qui sortent des pots d'échappement. Avant, quand je vais démarrer. Maintenant. Ah oui, ça y voit des flammes, ouais. Ça y était pas avant. Ah, tu veux dire que ça fait partie des améliorations?
Ben, je crois. Ou alors ça y était avant, mais ça devait être buggé ou quelque chose comme ça, du coup on les voyait pas. Ou une fois sur 40. Ok, bah écoute, on va attendre sa réponse. Alors attends, bah Je décolle. j'ai fait re... Tu Comme fais je te quoi? filme. Bah, j'allais faire reprendre la partie, mais comme je te filmais, il est Ouais, tu resté peux sur toi en répondre. fait. J'ai juste réussi à atterrir là où je voulais, parce que j'étais pas très bien axé finalement. Bon, bah tu sais quoi, je vais te filmer alors. T'es pas bien loin. Hein. Non, je peux. Maintenant, tu peux faire l'inverse, ça sera mieux depuis la mer. Avec un peu de chance, tu t'arrêteras Oui, mais avant la maison. Parce que de ce côté-là, tu pourras pas, hein, c'est pas possible. T'as trop peu de distance. Hein. T'as vu la pente sur laquelle tu descends? oui. Ah bah Un jour j'y arriverai. ouais, en hélicoptère. Non, en hélicoptère, c'est déjà fait. Oui, j'imagine. Faire un petit passage basse altitude tant qu'à faire. Ouais, bah ça. Voilà. Commencer à décélérer quand même. Parce que le but de se poser, c'est de s'arrêter. On trim pour compenser. On va. Ça se trouve, je vais même pas pouvoir me poser. Ouais, 154 nœuds là. Ouais. Est-ce que je tourne? Hop, je vais sortir le train. Je sors les volets. Ce qu'il y a de con, c'est que mon écran il s'éteint là. 107 Ah. nœuds. Ouais, non, ça y est, c'est bon, il s'est rallumé. L'air d'être plutôt bien parti, mais en termes de vitesse. Ah, il s'éteint à nouveau. Ok. Ah, les gars, il y a une mouette là. C'est joli jusque-là en tout cas. L'écran s'éteint. Je devrais le revoir après, mais quand même. Hop, ouais. Rebond assez conséquent. Et forcément, je freine. Ouais. En fait, Bah, il c'est voit. nickel. Ah ouais, c'est pas mal. T'es venu te cracher au même endroit tout à l'heure. C'est quasi. En tout cas, ouais, c'était bien essayé. T'as droit à un deuxième essai si tu veux. Par contre, pour le coup, à ce moment-là, c'est que tu arrives un peu plus en travers, tu sais, pour bénéficier de la pente qui monte et terminer entre les maisons, ce qui serait de toute façon très bien. Alors, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que ton premier toucher se fasse sans rebond et que tu puisses freiner comme un abruti pour t'arrêter avant. Mais bon. En arrivant avec un peu d'angle par rapport à ce machin-là, je pense que... Il y a peut-être moyen, oui. Je réessayerai une prochaine fois. D'accord. Je ne vais pas monopoliser l'enregistrement pour des bêtises. Tu vois, s'il n'a pas répondu dans les 5 minutes, c'est qu'il doit être. Ah non, ça y est, il a répondu, je l'ai pas entendu arriver. J'ai le casque sur les oreilles donc. Bon, Il alors. vient de répondre, je crois. Ah, je pense qu'il est malheureusement. Un peu tard pour faire décoller un spit. Bon, ok. Quelle heure il est là? 23 heures? Bon, t'as entendu le chat là, j'imagine.
Le chat? Non. T'as pas entendu le chat avant? Bien. 38%, ça passe encore. T'as une idée particulière d'une bricole à faire? Là, je suis un petit peu à court. Pas vraiment. Bon, bah écoute, à ce moment-là, je vais couper la vidéo et puis on va essayer de, je vais essayer de régler encore un peu un truc ou deux là, notamment essayer d'avoir les freins. Ça serait pas mal. Pourquoi? Et C'est mieux. puis on verra bien. Bon, allez là-dessus, c'était bien sympa, n'empêche. Et ça fait bien plaisir effectivement de retrouver cet engin. Allez, une petite vue sur la mer. Voilà, comme ça, c'est beau. Parfait. Et là-dessus, à la prochaine, en direct samedi prochain. Si tout va bien. Allez, bye bye à tous. Bonne nuit. Ou bonne journée.